Pete Jean Wilson. Président de quoi acte de cette proposition. Acte vous êtes accordé. Et sur ce, toute proposition déposée au niveau du bureau doit être débattue. La proposition est en débat. Qui constamment viole, pille la machine de l'État avec le support de cette majorité idiote par nous. Président, tout autant, Biron n'a pas communiqué nos pièces, pas de question de débat, pas de temps là. Président, nous faisons un rappel au règlement. Président, nous faisons un rappel au règlement. Nous demandons, président, pour lire article 9 du règlement intérieur là, pour déterminer ses manches pour lire, pour faire respecter la constitution et respecter le règlement intérieur là. Ou bien article 13 là qui définit la punition, président. Maintenant, article 239.1, l'idée de les députés ont droit pour rejoindre toute demande de dossier auprès de la Chambre des députés. Et on a
d'abord. Souvenez que vous êtes là. Son premier set qui jouait, c'est un snap abouti effectivement. Donc il y a des dispositions qui prennent au niveau du bureau pour que nous communiquions une prochaine date pour que c'est un snap continue. Donc c'est un snap mettre en continuation parce que va y a une sérénité dans la salle là. Il y a un député majorité qui veut laisser un snap continuer. Et il y a un député minorité qui fait des points de droit. Donc, dans le temps, nous sommes obligés de mettre ces séances en continuation. Nous avons plus de sérénité pour nous continuer. Vous n'avez pas fait avec demande député opposition? Non, séance en continuation. Séance en continuation. Donc, j'ai été étonné de constater qu'il y a eu des demandes qui ont été produites par des honorables députés. Mais nous-mêmes, au niveau du bureau, mon seul bagage, nous connaissons nos tenues balises, c'est le règlement intérieur à la Constitution. Et je dis, nous sommes au point 6 de l'ordre du jour. Donc, nous allons continuer à la plus prochaine séance. Non, c'est lecture de demande de mise en accusation, parce que l'acte de mise en accusation est hypocollu. Donc, à la plus prochaine séance. Donc, on a continué dans le processus là. Donc, c'est un instant, on continue à faire. Il y a des députés qui m'ont écrit pour me demander de trouver un arrêté à travers lequel 50 juges corrompus ont été nommés. Donc, en ma qualité de président de la Chambre des députés, je ne connais pas des juges corrompus qui nommés dans le pays. Je ne conduis aucune enquête. Je nous connais l'article 118 de la Constitution qui dit que chaque chambre a droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. Je n'ai jamais été saisi par une telle et par une telle assertion, par une telle affirmation. Même il y a des magistrats honnêtes à travers le pays à cap travail. Si on monde connaît des juges qui corrompus, écris-nous dans le CSPJ pour bien avoir. Pas un obstacle. Vous habituez ici à où connaît des tactiques parlementaires, je dis à la minorité, si bagarre a fini par un vote, la minorité a perdu, ça fait partie de match à tout. Donc, mais votre match déjà est-ce que vous demandez le droit de demander au président? Il y a une correspondance qui avait un bureau, a fait suivi de correspondance. On entend la réponse avec les demandes. Non, nous faisons suivi à toute correspondance que vous voyez. Bah, nous, donc, correspondance, ça me tombe sous lui. Donc, mais nous, même au niveau du bureau, nous tenons par ordre du jour. Et la prochaine fois, nous tournons dans le point 6, ordre du jour. Nous demandons 33 pièces. OK? Là, nous faisons des points de droit. Nous avons dit règlement intérieur, nous avons dit constitution. Et nous lions, même fait, député Gary Bodo, président Chamna, connaît. Propre ou les propres attributions qu'elle peut déjà connaître. C'est lui qui représente face à n'importe quelle institution nationale ou internationale. Nous écrivons, nous avons besoin de pièces. Ça fait un mois de bien écrire. Je vais quitter le nom de la presse pour nous garder est-ce que nous pas écrit Gary Bodo. Nous avons accusé de réception qui dit que nous avons joué dans le bureau, monsieur. Je ne sais pas, j'aime faire.
en rien avec, il mette dans le bureau, comme il est habitué à faire, et bien je dis, nous prenons le désapprouver. Nous commençons à désapprouver. Moi-même, je pense que nous, toute la presse, là, d'avoir gardé ça que fait là. Je dis à son jour historique, son séance spéciale pour mise en accusation du président de la République pour crime de haute trahison. Ça veut dire que à séance spéciale, gagner des dispositions spéciales, exceptionnelles, qui pour prendre. Nous-mêmes, moi-même, en tout cas, moi regrette que le bureau n'a pas communiqué un série de documents. Nous avons un pile député qui, dans la majorité, a parlé de dilatoire. Dilatoire, qui ça, ça veut dire? Ça veut dire faire passer le temps. Je me dis que ce n'est pas vrai. Parce que de qui ça n'a pas parlé? N'a pas parlé d'un série de documents qui pour corroborer, qui pour solidifier, qui pour corriger un acte d'accusation. Un chef d'accusation, une assemblée à convaincre. C'est comme si Mdadou ou Tavini est pour simplement lister accusation sans pas dire qui ça qu'on a comme élément concret de preuve qui justifie, qui montre qu'effectivement il y a une violation de la Constitution. Un pour exemple très simple, minute séance ratification Jacques Guy Lafontaine qui montrait que Bureau a été pris acte de violation de la Constitution, nous demandons Bureau à l'IOT de Banoul, il n'y a pas Banoul. Par contre, il y a l'autre pièce qui est disponible. Par exemple, dans le cadre du dossier d'Hermalov, il y a un arrêté pris en Conseil des ministres, signé par le président, il y a une série de pièces qui corroborent que une violation de la loi sur la passation des marchés publics, ça y est disponible. Cependant, je dis, malheureusement, pièce que nous avons besoin, il n'y a pas communiqué. Donc, nous avons souhaité que le bureau prenne note de demande ça, que la séance continue dans la sérénité, dans la paix et puis surtout dans le respect de la Constitution. C'est pour moi personnel que personne n'a à jour. Simplement, c'est une question de Constitution, de pays et d'institution. Merci beaucoup. Moi, assisté à cette séance avec beaucoup de regrets. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé au président pour nous faire un point de droit sous situation pour nous permettre de mettre l'ordre dans toutes les autres salles qui ont été faites devant nous. Son séance de mise en accusation. Point de droit pour vous faire, est-ce que séance ça de mise, est-ce qu'il y a qu'à faire mise en accusation hein? C'est pour une question de demande de communication de pièces. Demanderait si vous n'avez pas qu'à chiter à plaider, demander pièces encore. Donc, si vous faites accusation, il faut tenir tout document à la base pour être capable de soutenir l'accusation. Moi, je ne suis pas là dans la position. Position pas, moi. Dans la Constitution, toute institution prévoit doit avoir une loi d'application. Bon, c'est vrai que dans le 9e, dans la mise en accusation qui était passée à la sauvette, mais je pensais que journée aujourd'hui, il y a un député dans la 50e législature là, qui décidait de faire une mise en accusation, Folta a décidé pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, la Constitution, dans l'article 185 et suivant, il parle de haute cour de justice là, et il dit qui gens sont capables de mettre un haut fonctionnaire, particulièrement le chef de l'État, en accusation pour permettre l'IA de juger devant haute cour de justice. Moi-même, qui ça me fait, en tant que parlementaire, premier acte pour faire, c'est en loi d'application, article 185 et suivant de la Constitution, sous question pour supérieur des comptes. Donc, si pas une loi d'application hein, qui pour dire qui procédure, parce que, ouais, dans tout débat, il y a un tâtonnement, il n'y a pas qui procédure pour utiliser. Je pense que premier, ça pour nous faire une chita sous question loi d'application de. Haute cour de justice. Si pas une loi d'application, ou pas qu'à entrer non mise en accusation. Merci.